Tel que Delphes l'a vu quand Timos, le suivant, il volait par le stade aux clameurs de la foule, tel l'Hadas court encore sur le socle qu'il foule d'un pied de bronze svelte et plus vif que le vent. Le bras tendu, l'œil fixe et le torse en avant, une sueur d'airain à son front perle et coule. On dirait que l'athlète a jailli hors du moule, tandis que le sculpteur le fondait tout vivant. Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre. Son flanc halète, l'air qu'il fend manque à sa lèvre et l'effort fait saillir ses muscles de métal. L'irrésistible élan de la course l'entraîne et passant par-dessus son propre piédestal, vers la palme et le but, il va fuir dans l'arène. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.